Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans Tenta Exo sur Dofus. Alors je vous montre une des ventes du coup. Et pour l'instant c'est le seul item que j'ai vendu, donc c'est le petit Vénard que j'avais passé dans la vidéo précédente. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Il y a eu autre chose de sympathique. Bon, on va commencer tout de suite du coup la nouvelle vague de sang. Enfin les 50, j'aurais fait ma côté en off et je repose les 50. Donc pour remplacer les deux items, j'ai pris deux bacs tritons, ça change. Et puis c'est tout ce que j'ai changé. Oui, puis aussi je vous invite, si vous aimez la vidéo, allez la liker. Ça m'aide beaucoup à pouvoir me faire voir, avoir un peu de visibilité, sachant que bon, c'est compliqué quoi. Que vraiment si ça vous plaît quoi, je vous force pas à le faire si vous n'aimez pas. Mais ouais, puis bah et si vous avez le courage, bah laissez un commentaire. Alors là ce serait tip top. Bah allez, on va commencer tout de suite. Bon, petite bague Triton, alors en général avant je faisais toujours les 20 d'ocrite. Là j'ai mis des 15 dopous, je sais pas si c'est joué honnêtement encore en stuff critique, mais je me dis qu'en stuff dopous ça doit être joué, donc j'ai préféré mettre les 15 dopous au lieu de faire 14 pour en pouvoir 20. Après je peux faire le 20-15, mais bon, j'ai simplifié on va dire. Donc voili voilou. Allez c'est parti. On va espérer avoir de la chance encore, ce serait cool. Merde, je voulais faire à l'envers. Bon tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Hop. Comme d'hab, je m'arrêterai vraiment sur les jets où je sais que j'ai eu des puits PO ou autres intéressants ou invoques. Mais sinon, on va essayer de défiler pour pas que ça dure 8 ans. Hop, petit chevelu. Ah, je vais juste décaler la cam pour voir la petite ligne bleue. J'ai oublié de le refaire. Ça dépend ce que je stream. Hop. Ah, un petit chevelu over 46. Ce serait cool, ça va passer en vrai. Bon, dommage. Ça aurait été trop beau. Ok, hop. Bon alors, j'espère qu'on va passer quelque chose cette fois-ci. À chaque fois, on passe toujours dans la deuxième partie des 50. Si je pouvais passer quelque chose avant, j'avoue que ça me rassurerait un peu, parce qu'à chaque fois, c'est tendu du string. Hop, les petits ravageurs. 1 et 2. Ok. Des petites alliances corruption. Hop. Bon, je jette toujours un petit coup d'œil à chaque fois au cas où. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Alors les petits vénards. J'en ai un qui est correct. Il aurait pu être bien, mais j'ai pas eu le puits nécessaire. Il manque un esquive. Donc tout le reste était clean quoi. Donc dommage pour l'esquive. Donc on suit pas, ce serait quand même cool. Non. Ça s'est passé, c'est passé. Qu'est-ce que je fais? Oh, Kaleros. On est heureux, on est heureux. Bon, pareil, classique. Allez, un petit. Ah, lui, il est pas mal. Over 30, c'est pas beaucoup, quoi. Un over 50, c'est bien mieux, mais bon. J'avoue que j'ai passé la ravie, le soin est tombé et j'ai pas voulu me prendre le chou. Je me suis dit c'est quand même bien vendable comme ça si ça passe. Bon. Gros moins 430 vita. Alors celui-là. 69, 39. Franchement s'il passe c'est cool. Allez, un petit passage peut-être. Dommage. Bon, allez. Ça va marcher à chaque fois. Hein. Hop, les 4 volcornes. Hop. Ok, bon, on a les 3 Belladones. Putain, j'ai cru, j'ai eu un petit lag et j'ai vraiment cru que j'avais passé l'exo. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. L'essai, putain, si je pouvais passer l'essai, ça me ferait plaisir. Il me saoule un petit peu à monter. A chaque fois je les monte en 3 crit et pour après je passe le quatrième en succès crit. Mon dieu qui passe pas souvent. C'est comme les vénards et tout, à chaque fois j'ai des puits PO mais jamais ça repasse. Ça me saoule, genre des jets perf over 50 vita et tout, mais ça repasse jamais. Hop, le dernier ceste. Bon. Après c'est possible qu'on passe absolument rien, mais bon. Enfin, si on pouvait passer un petit truc avant les. Dans les premiers 50, la première tournée, ça me ferait plaisir.
Yeah. Elle a un petit centaure. C'est pas mal celui-là. Ok. Bon, il ne reste plus grand-chose pour la première partie. Putain, encore le petit lag, mais... Aïe aïe aïe. Non. Ok, bon, j'ai quoi? 3 bronzes, 2 pandamonium, une Alistair. Échec. EC again. Non. Petit bronze classique encore. Plus que deux. Le dernier. Ok, bon, bah allez, vas-y, je vais retourner FM tout ça en off et on se retrouve pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Ok, on est de retour avec les 50 anneaux FM pour boucler les 100 tentats. Bah allez, vas-y, c'est parti. Bon, cette fois-ci, j'ai pas fait l'andouille. J'ai mis un petit vicieux qui traînait pour pas me faire avoir à chaque fois à retrouver quel item, etc. Ok, c'est y part. Hop, on va prendre les runes. Bon, petit triton classique. On serait bien de passer quelque chose. Petit triton. Ah, le jet est un peu éclaté. J'ai pas de BM, si. Hormis l'over Vita, le problème c'est qu'en gros, j'ai remis un tag, j'ai remis un esquive, j'ai remis un dopu. La Vita a jamais pété, donc je me suis dit, vas-y, je laisse comme ça. Et puis on verra bien. Hop. Ok. On va reprendre les petits PA. Bon, espérer passer quelque chose. Ok, non. Ah, j'ai fait le con là du coup. Attends, on va faire un petit truc. Ça revient à chaque fois en arrière. C'est n'importe quoi. Ok, allez, c'est Tipar. Celle-ci elle est correcte, manque un tacle. Et après de maxer entre guillemets les stats, mais finalement elle est quand même clean. Si elle passe, je serais content. Bon, dommage. Hop, voilà, complètement classique. Le minimum du minimum. Lister, petit brousse. Comme je dis, je m'arrête généralement sur les jets qui sont assez propres à voir. Sinon, j'essaie de défiler assez rapidement, toujours. Pas perdre trop de temps. Bon, on devrait passer quelque chose, hein. De toute façon, le but c'est de passer au moins un exo à chaque fois sur Sentrail. Et ce que je ferais, c'est que si vraiment je passe rien sur 100 tentas, bah, les 100 prochaines, bah, j'essaierai vraiment de focus un peu plus les jets. Genre tout ce qui va être à PO, j'essaierai de faire des puits PO dans le maximum possible quoi, genre sur les alliés lourds peut-être pas forcément, mais sur tous les vénards et tout, j'essaierai vraiment de sortir des gros GPO. Comme ça fera vraiment une belle vague on va dire, en espérant passer quelque chose. Hop, deux ravageurs c'est fait, les quatre corrupts. Hop. Bon, rien de transcendant. On n'a pas le puits, c'est la merde. Je crois que j'ai un Vénard qui est assez correct, si je fais pas de bêtises. Celui-là, il est pas trop dégueu, celui-là. Si lui il passe, par contre, oh là là, régalade. Régalade, régalade s'il passe. Moins 1J, moins 2 ça, ça fait un peu chier. Respire, faut vers 50. Ça, si ça passe, franchement, je le garde pour mon stuff en plus. Allez, une petite ligne là, stop. Ah, j'ai remonté la cam encore, je me fais avoir à chaque fois selon ce que je record. Sûr de voir la petite ligne bleue là, qui va pop là. On y croit. Ah, déception, dommage. Ah, lui, il aurait été vraiment clean. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Putain, mais ça m'a refouchu le vicieux ici. Ah, ça m'énerve. Ok, bon, tant pis. Je sais pas pourquoi ça fait pas... Ouais, je sais pas, ça me saoule. Bon, allez, hop, on est dans les russes. Pareil, toujours classique les russes. En essayant de les maximiser un petit peu quand même. JPM. Soin éclaté par contre. Bon, dommage. Ça se prenait aussi en vrai. Les Russ déjà fait. Celui-là. Bon, classique. Ok, c'est cool. Bon, j'ai pas trop de réaction. Franchement, j'aurais vraiment préféré passer celui-là. On va pas se mentir.
67 c'est un peu gênant, 39 ça c'est cool. Ok, franchement ça va, c'est cool, c'est cool. Mais ouais, j'ai pas eu de réaction. Après, j'ai enfin, j'ai passé tellement d'exos, j'ai envie de dire. C'est un peu normal. J'aurais vraiment préféré passer le petit Vénard ici qui aurait été Gucci. Ah ouais, lui pour mon petit stuff sur mon Helio, ça aurait été vraiment cool. Ou le petit Russ. Ah, try près, mais bon, vas-y, c'est clean, c'est clean. On prend toujours, ça change en plus. Ça change, ça change. Allez, on va attaquer les petits Volcorons. Putain, franchement, pour l'instant, à chaque vidéo, il y a de l'exo. C'est cool. C'est quand même vraiment cool. Puis on a passé que des trucs, que des items différents. Hop, hop, les petits Belladones. Pour 55 puissance, c'est le minimum. Ok, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'allais en passer un deuxième. Ok. Du coup, tac tac, on va passer au Cest. T'as les Cest à chaque fois, il me saoule un petit peu. Le quatrième crit qui repasse difficilement, du coup, à chaque fois, la sagesse elle est négligée. Je prendrai toujours le 21 minimum, bien sûr, vu que c'est voilà, le minimum. Mais bon. Ils sont pas très 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 jolis, même si quand on regarde l'HDV, rien que d'avoir des 4 crits, c'est rare, on va dire. Ok, les Centaurores. Bon, je m'arrêterai vraiment dessus si j'en passe un. Vous voyez un petit peu les stats globales. Après, de toute façon, ici en bas, je mettrai toujours deux fuites sur 3, 2 esquives sur 2 et les 12 répous ou réécrits. Ça bougera jamais. Il n'y a que ces petites stats qui changent. Non, jure. Incroyable. Incroyable. Je n'avais pas passé encore de cela non plus. C'est de dinguerie. 48, 48, 24, 24. Ça, j'adore. On va les stats comme ça. Et bah putain. C'est insane. On se met bien encore. On se met vraiment bien. Par contre, je vends absolument aucun exo. Ça, c'est chiant. Mais bon, vas-y, ça gère de ouf. C'est un truc de ouf. Vas-y, on prend, on prend, on prend. On est bien, on est bien. C'est dinguerie, par contre. Je passe beaucoup trop d'exos. D'ailleurs, j'ai regardé la nuit en me disant, jure, j'ai un double direct. C'est tellement incroyable, la chance. Ah ouais, la chance, elle est présente. Hein. Et maintenant, à chaque fois que je passe une rune, je me dis, mais ça va passer. Ça, c'est un truc de fou. Je regarde qu'en bas. Je suis concentré sur le bas. Putain, c'est incroyable. Putain, mais ouais, on a énormément de chance. Hein. Ça, c'est parce que je record ça. Avant, laisse tomber. C'est des 400, des 500 try sans exo. Je suis à casser mon crâne. Du coup, je vous montrerai un truc après. Parce que généralement, quand tu pètes un cap, ça passe jamais et tout. Tu viens à prendre n'importe quel item, mais à passer des runes dessus, tellement tu rages. Et je vais vous montrer un item après. Bon, allez, on finit la petite vague vite fait. T'as franchement deux exos. Prod de ouf. Peut-être trois. Non, ouais, franchement, deux. Un truc de ouf. Ah, je vais se montrer un truc. Ah, moi, je faisais des casques dryguff. Parce que je vais le trouver. Ouais, celui-là. Voilà, pareil. Cet item avait aucune résistance, je sais plus de quoi il tournait, j'avais un vieux casse drague qui traînait. Et je prenais tous mes items, je passais des runes, et j'ai pris un casse drague, et genre j'ai mis deux invoques, j'ai cliqué fusionner et tout, et poupou, ça m'a cliqué deux invoques. Donc voilà quoi. Bon, complètement inutile, mais je l'ai gardé pour souvenir, et du coup maintenant j'évite de foutre des runes dans le vide. Putain, bah, vas-y, on va finir la vidéo en mettant les deux items. Alors on a passé un Centaure, qu'on n'avait toujours pas passé. Incroyable en vrai. Hop, épingler l'info bulle. Et le deuxième, c'est un Russ. Plutôt propre aussi. Ah bah voilà quoi. Bah franchement, plutôt cool. Hein. Franchement, deux exos la dernière, deux exos celle-ci. Incroyable. Donc bah voilà, je vais vous quitter sur ça. Et bah évidemment, dès que j'aurai une vente ou autre, je l'afficherai comme en début de cette vidéo-là. Donc bah j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!